Bonsoir, cher compatriote, bonsoir. Bonsoir. Connectez-vous, cher compatriote, et partagez la vidéo. Bonsoir. Connectez-vous, chers compatriotes. Chers compatriotes, merci à vous qui venez de vous connecter. Jack Landry, bonsoir. Jack Landry, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Jack Landry. Comme je l'avais promis, que j'avais donné rendez-vous pour le vendredi. Je suis là, cher compatriote. Voilà. Deux petites minutes, chers compatriotes. Je partage un peu la vidéo. Et vous de même, si vous pouvez partager, ça serait bien. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 003, missile numéro 003. Lors de la dernière vidéo, donc de la vidéo du missile 002, chers compatriotes, eh bien, le message était bel et bien arrivé. Je dis bien, le message était bel et bien arrivé à Denis Sassou Nguesso ainsi qu'à son entourage. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est missile numéro 003. Alors, sans plus tarder, chers compatriotes, je vais commencer la vidéo. Donc, sans plus tarder, en premier lieu, je vais vous informer sur l'état de santé du général Jean-Marie Michel Mokoko. Comme je l'avais dit une fois, Olinga Mukokote, c'est un compatriote qui avait été arrêté illégalement. Donc, chers compatriotes, c'est tout à fait normal qu'on en parle. L'état du L'état de la santé du général Jean-Marie Michel Mokoko est très critique. Je dis bien très critique. Le général Jean-Marie Michel Mokoko ne se porte pas bien. Il n'est pas en bonne santé, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, peuple congolais, on m'a demandé de vous transmettre ce message pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous le savons bien qu'il avait été arrêté arbitrairement, accusé à tort, parce que tout simplement, Sassou Nguesso voulait régler, disons, un contentieux avec le général Jean-Marie Michel Mokoko pour
Denis Sassou Nguesso, pour lui, le général Jean-Marie Michel Moukoko l'avait défié. Maman Bansimba, Timpa Vita, bonsoir. Maman Marie-Jeanne, bonsoir. Donc, pour Denis Sassou Nguesso, Moukoko l'avait défié. Donc, il fallait le faire payer le fait qu'il l'avait défié. Donc, c'est tout ce que nous avons vu à Brazzaville, ce fameux faux procès où il avait été accusé à tort. 20 ans de prison. Mais la santé, général Jean-Marie Michel Moukoko n'est pas au beau fixe. Le général Jean-Marie Michel Moukoko, Roland Eddy, bonsoir. Dany Massengo, bonsoir. Le général Jean-Marie Michel Moukoko ne se porte pas bien. Je ne le souhaite pas. Je touche du bois. Et dans le message qui m'a été communiqué, peuple congolais, on m'a demandé de vous dire, prions pour le général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, Sassou Nguesso et son entourage, tout ce qu'eux, ils avaient souhaité, qu'ils souhaitent, c'est la mort du général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, si nous ne doublons pas de vigilance, ben un jour, ça serait du style, nous allons entendre que le général Jean-Marie Michel Moukoko vient de mourir, vient de nous quitter. Donc, c'est pour cela que, au début de la vidéo, j'ai d'abord voulu parler sur la situation du général Jean-Marie Michel Moukoko. Olinga Moukoko, Olinga Moukoko te, ça, je l'ai toujours dit. Olinga Moukoko, Olinga Moukoko te, mais au moins, nous le savons bien qu'il avait été arrêté arbitrairement. Arbitrairement. Et de cette injustice, nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà, c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Olinga Moukoko, Olinga Moukoko te, mais il avait été arrêté injustement. C'est ce que nous dénonçons. Donc, peuple congolais, voilà le message concernant le général Jean-Marie Michel Moukoko. Il est vraiment mal en point. Mal en point. Et ça, voilà ce qu'on m'a demandé de vous transmettre comme message. Vraiment, peuple congolais, c'est vraiment triste et regrettable pour quelqu'un qui avait été accusé à tort. Donc, Olinga Moukoko, Olinga Moukoko te, c'est injustement qu'il avait été condamné. Et nous devons dénoncer cela. Voilà, peuple congolais, mon premier message. Maintenant, chers compatriotes, aujourd'hui, c'est la troisième vidéo, donc vidéo numéro 3, missile numéro 003, où ce qui va être évoqué, c'est les crimes économiques et les crimes de sang, des révélations que je vais vous faire. Comme ça, peuple congolais, Motona Moto Aeba, ceux-là qui pillent notre pays et de ceux-là qui se sont enrichis dans notre pays et qui continuent encore à s'enrichir. Le peuple congolais doit être informé. Mais de la même manière, chers compatriotes, ce n'est pas un secret. Lors de la dernière vidéo, je l'avais déjà évoqué cela. J'avais dit ceci. Que nous allons porter plainte. Coûte que coûte, nous n'importe quel moyen. Même si nous n'avons pas les moyens nécessaires. Mais nous allons porter plainte. Et je vous avais dit que j'avais déjà eu à prendre contact avec le pôle financier concernant ce qui concerne le détournement des deniers publics. L'argent des Congolais volé. J'avais eu à expliquer lors de la dernière vidéo que cela est inadmissible, que c'est avec l'argent des Congolais qu'ils ont acheté tous ces biens qui ont été saisis. Donc, une bonne partie des biens qui ont été saisis. Il y a d'autres biens qui ne sont pas saisis, mais une bonne partie de ces biens qui ont été saisis, l'argent est rentré dans les caisses de l'État français. Et j'avais dit que ce n'est pas normal. C'est à nous, peuple congolais, de le faire comprendre à la justice française, aux autorités françaises, que l'argent-là
sortait bien du trésor public congolais, c'est l'argent des Congolais. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, la semaine que nous allons commencer, lundi c'est férié, mais la semaine que nous allons débuter, je vous tiendrai informé. Nous allons vous tenir informés de tout ce que nous allons entreprendre comme démarche. Et nous devons le faire, nous allons le faire. Nous avons des dossiers, des documents pour pouvoir porter plainte, déposer plainte contre ces voleurs de la République, contre ces pilleurs de la République du Congo. Donc, peuple congolais, nous allons le faire. Croisons les doigts, prions que nous puissions arriver à le faire parce que nous allons le faire. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, voilà. C'est parti, sans plus tarder, chers compatriotes, je cherche une vidéo, comme ça, vous-même, vous allez suivre, la vidéo, elle est où? Elle est là. Deux petites minutes, j'augmente le volume. Suivez. Voici Antoinette Sassou Nguesso, femme du président Sassou Nguesso, dont voici la fiche Bristol, le président Denis Sassou Nguesso est donc militaire, il est à la tête du Congo depuis 1979, il a perdu les premières élections libres organisées dans le pays, revient au pouvoir en 97 après une guerre civile, sous le coup d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire des biens mal acquis. Oui, il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Voici aussi la fiche Bristol du Congo. Le Congo compte 4 millions d'habitants et 3% de croissance, c'est très bien. Et le quatrième producteur de pétrole du continent, il a des réserves de fer, de potasse, d'or et de gaz. Et voici une autre fiche Bristol du Congo. Un habitant sur deux sous le seuil de pauvreté, deux ménages sur trois sans électricité, troisième pire pays du monde pour faire des affaires, classé 144 sur 174 à l'indice de perception de la corruption. Et c'est en ça que l'anniversaire était étonnant. Selon plusieurs articles, plusieurs sources, le prix de l'anniversaire à Saint-Tropez de la première balle a coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros sur les deniers publics du Congo, c'est-à-dire que c'est le Congo qui a payé. La preuve est là. Avec ce programme provenant du cabinet même de la première dame, avec en tête de la présidence de la République, rien que le programme est bien, transfert Nice-Saint-Tropez en yacht. Nous avons quelques images de la soirée, alors de loin, hein, et une image. Voilà, ça c'est la fête de loin. Une image de ce qui semble être la première dame du Congo. Et selon la presse d'opposition congolaise, certains convives, il y en aurait eu 150 convives, auraient même reçu de l'argent de poche au titre de compensation. Et voici l'interview d'invité. Écoutez bien ce que nous disent les invités qu'on a croisés dans la rue avant la soirée. Combien? Je sais pas du tout. Je sais pas. Fait 10 000, je sais pas, on verra. Peut-être 10 000 euros. On va voir, ouais. Ah ouais, vous êtes. Non, on est chaud ce soir, on est chaud. On a prévu ça. Vous avez un bon budget pour le week-end? Ouais. 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 Combien? Ouais. Combien? Ouais, bon. Mettre, pour le week-end. On a un bon budget. Ah, à l'aile ou quoi? À l'aile. Combien on offre, les gars? Je sais pas. Mais c'est toi le français, c'est toi. Je sais pas, si les petits ils ont 10 000, sachez que nous on a 3 fois plus. C'est ça, je sais pas. On est bien, très très bien. Bon, oui, vous avez bien entendu, si les petits ont 10 000, nous on a 3 fois plus. Sachez que nous on a 3 fois plus. C'est ça, je sais pas. On est bien, très très bien. Le salaire moyen au Congo est de 147 euros. Et dernière chose qui nous turlupine, voici ce qui a été diffusé dans le JT congolais ce week-end. Ça, c'est générique. Ils ont rediffusé ce week-end un reportage sur Antoinette Sassou Nguesso datant du 7 mai dernier où elle visitait un orphelinat. Tout est un fou ici. Mais si gagnons son vanaga pour lui, car ni y mouper ma bina, sans mon arbre qui ça, qui est n'a pas ou un petit nouma, ma mecouza pour salam, kembo et le boutoukou naïandi. Un boutak à la maison des petites sortes de pauvres, même si ka kaka, n'y en soit n'a pour la qui ça, nous on a yandi tia tchéleka, mou moukele, n'a pas tout n'a kati. Alors que non, la première dame n'était pas dans cet orphelinat, mais elle était bien ici à Saint-Tropez. Bon, chers compatriotes, je vous ai montré cette vidéo de Yann Barthès, une vidéo dont il avait eu des problèmes à cette époque-là, au moment où il était chez Canal+.
je ne pourrais pas dire que c'est en fonction de cette vidéo que son contrat avait été rompu avec Canal+, je ne le dirais pas, mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, Yann Barthès avait eu des sérieux problèmes à travers cette vidéo qu'il avait eu à diffuser sur Antoinette Sassou Nguesso. Donc, il avait eu la pression de la part de la direction de Canal+. Si vous avez bien suivi la vidéo, il y a des détails où je veux expliquer, au cours de cette vidéo, vous allez comprendre. Au moment où Antoinette était à Saint-Trompé, en train de fêter son anniversaire qui avait coûté plus d'un million d'euros, Télé Congo avait diffusé les anciennes images où elle était partie dans l'orphelinat, or qu'elle était à Nice. Donc, à Télé Congo, on passe des images qui n'avaient rien à voir avec l'actualité d'Antoinette Sassou Nguesso. Or qu'elle était à Nice, à Saint-Trompé, calme. Mais à Télé Congo, on va berner le peuple congolais. On va passer des images d'Antoinette comme si elle était partie voir les pauvres, les orphelins, en train de distribuer de la nourriture. Le journaliste Yann Barthès l'avait bien expliqué ce jour-là. Premier point. Deuxième point, je veux revenir en arrière, ces fameux jeunes qui se promenaient dans les rues de Saint-Trompé, qui avaient dit que si les petits avaient reçu 10 000 euros, nous les grands, on va avoir le triple. Dans cette vidéo-là, mais ces jeunes-là, qui se trouvaient dans les rues de Saint-Trompé, il y avait le fils de Maurice Nguesso, Rodrigue Nguesso, parce que les visages étaient floutés. Les visages étaient floutés. Mais il y avait Rodrigue Nguesso, le fils de Maurice Nguesso. Donc ces fameux jeunes-là qui disaient que si les petits ont eu 10 000 euros en espèces, nous les grands, ben, nous allons avoir le triple de cela. Je vous ai montré cette vidéo, chers compatriotes. Comme on dit toujours, l'histoire restera toujours l'histoire. L'histoire, c'est le récit des événements passés. C'est pour que nous puissions comprendre le système et le fonctionnement de Sassou Nguesso. Peuple congolais, chers compatriotes. Nous avons suffisamment de documents, des dossiers, pour les poursuivre maintenant en justice. Nous allons tenter, coûte que coûte. Lors de la dernière vidéo, donc, missile numéro 002, je dois vous tenir informé, j'avais oublié de vous dire qu'ils vont se préparer pour venir contrecarrer le rendez-vous de vendredi. Ils vont appeler leurs petits, leurs suppôts, leurs satellites. J'avais oublié de vous le dire. J'avais dit, surveillez, vous allez voir. Le vendredi, il y aura beaucoup de gens, certaines personnes qui vont se connecter. Tout simplement pour brouiller le message. Suivez seulement ce qui se passe dans les réseaux sociaux et vous allez comprendre. Pourquoi je vous en parle? Parce que moi, je ne prends pas des appels anonymes. Mais quand un numéro apparaît, je prends l'appel. Donc, il y a eu des menaces. Après la dernière vidéo, missile 002, numéro 002. Donc, il y a eu des appels anonymes. Des menaces que j'ai l'habitude. Mais on avait compris, donc j'ai signalé au commissariat central de l'endroit où j'habite. J'ai saisi le commissariat pour signaler cela. Mais c'est le numéro dont eux, ils achètent, donc des cartes, disons, prépayées, ou des cartes, par exemple, je dis ça comme ça, ou MobiCard, des trucs comme ça. C'est ces cartes où quelqu'un peut se servir sans se faire enregistrer. Quelque temps après, ben, il peut le jeter. Donc, il y a eu quelques menaces, comme ils ont l'habitude de le faire. Et bon, peuple congolais, ça c'est zéro. Je savais bien que, quand j'avais donné rendez-vous pour vendredi, ils vont tout faire pour essayer de brouiller le message pour quoi que ce soit. Donc, je savais bien qu'il y aura des gens aussi qui vont essayer de faire une vidéo pour vendredi aussi.
pour que le message ne puisse pas passer. Regardez seulement, chers compatriotes. On se connaît, on sait qui est qui. Mais ce qui est triste et regrettable, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont rien compris jusqu'aujourd'hui. Qui se font encore, disons, manipuler, qui se font berner. Il n'y a qu'à suivre. Il n'y a qu'à regarder, à observer, vous allez comprendre. Peuple congolais, comme je vous avais promis, je vous avais dit que vendredi, il y aura encore des révélations. Le peuple doit être informé. Le peuple congolais doit savoir. Lors de la dernière vidéo, j'avais reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Que ce soit du niveau de Brazzaville, les gens regardent, les gens suivent. On ne vous trompe pas. Certaines personnes pourront vous dire ce qu'ils veulent vous dire, mais au Congo-Brazzaville, bon nombre de gens ne regardent plus télé foufou. Bon nombre de gens au Congo-Brazzaville sont connectés. D'autres personnes vont vous dire, par jalousie, par méchanceté, oui, c'est des vidéos de 2h, 3h. En quoi ça leur gêne? En quoi ça leur dérange? Est-ce que c'est eux qui parlent? Pourquoi ça leur dérange? Batomosu Soazo Pakola Ambi, Yozo Tela. Pourquoi Ozo Tela? Au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui partent d'abord dans des ministères Wi-Fi gratuit, à la présidence de la République, Wi-Fi gratuit, dans des hôtels Wi-Fi gratuit. Il y a des gens qui vont se connecter dans des grands hôtels, dans certains endroits, pour avoir la connexion. Donc le message passe. J'ai eu bon nombre des appels, bon nombre des messages. Ce que nous dénonçons, pour ne pas dire ce que je dénonce, ce que nous dénonçons, c'est la vérité. Donc, peuple congolais, je savais bien qu'en donnant rendez-vous vendredi, ils allaient demander à leurs petits, à leurs suppos satellites, de se connecter, d'être aussi, de faire aussi des vidéos pour brouiller le message, que le message ne passe pas. Je savais bien, on le savait bien. Et cela nous a fait rigoler parce qu'on sait qui est qui. Vous n'avez qu'à regarder nos réseaux sociaux. On continue. Peuple congolais. Alors, nous allons travailler comme nous avons eu à travailler lors de la dernière vidéo. Prendre vos calculatrices. Mettez vos bouteilles d'eau de côté. Pour ceux qui veulent avoir des Doliprane aussi, mettez des Doliprane à côté. Parce qu'il y aura encore des chiffres. Et Yakiba Mamboua qui a dit. Document par document, nous allons procéder. Peuple congolais, sans plus tarder, c'est parti. Des documents que je vais vous présenter. Par exemple, ces documents-là. Quand je vous dis que nous, les membres de l'association amicale des indignés, nous allons déposer plainte. Même si on n'a pas les moyens, nous allons faire notre mieux de déposer plainte. Et nous allons le faire. Nous allons le faire et on vous tiendra informé. Nous allons entreprendre des démarches dans le cadre de la dénonciation. Que ce soit sur les crimes de sang, les crimes économiques. Nous allons vous montrer sur le plan des crimes économiques. Nous allons vous montrer là où se situe votre argent, là où se trouve votre argent. Nous allons entreprendre, nous allons entamer les démarches. Nous allons intensifier les actions pour que le peuple soit au courant. Nous allons les déloger. Bonsoir, maman Monique. Peuple congolais. Donc, de ce document-là, par exemple, c'est un document qui avait été publié par la presse britannique. En Angleterre, ce document avait été publié. Donc, c'est un document qui est en anglais, mais que j'ai eu à traduire en français. Donc, ça veut dire que j'ai le document en anglais. Et là, c'est la traduction en français. Donc, ce dossier-là aussi fera partie aussi, de la même manière, dans ce qui concerne le dossier de la plainte. Je m'explique. Nous avons les dossiers, nous avons les classés. Mais la finalité, c'est que le grand frère Jean-Claude, bonsoir. La finalité, c'est qu'on va toujours avoir besoin d'un avocat qui est spécialisé dans ce domaine-là. Et avec cet avocat-là, que nous allons faire le travail nécessaire. Parce que la plainte, ça partira d'abord de Sassou, de ses suppôts et de ses satellites. Sans cacher quoi que ce soit,
Je vais prendre un exemple. Je le dis parce que pour que Bango Kuna Peba Yeba, pour que Ba Yoka, comment nous allons procéder, comment, ce que nous allons faire. Je prends un exemple. Un exemple. Le cas de Ndenge. Jean-François Ndenge, par exemple. Jean-François Ndenge a des entreprises ici en France où il avait mis à la tête sa femme ainsi que ses enfants qui gèrent les entreprises de Jean-François Ndenge. Maintenant, nous allons demander à Jean-François Ndenge de justifier la provenance de cet argent et nous allons demander à la femme de Jean-François Ndenge ainsi qu'aux enfants de Jean-François Ndenge de justifier où est-ce qu'ils ont eu tout cet argent-là, où ils ont ouvert des entreprises ici en France. Et en plus, ils ont des biens. Un exemple. J'ai pris seulement sous Jean-François Ndenge, qui a des biens ici en France, des entreprises ici en France, où sa femme s'en occupe, ainsi que ses enfants. J'ai pris un exemple. Donc, si j'ai pris un exemple sous Jean-François Ndenge, c'est de la même manière à vous autres. J'espère que le message, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien saisi. Vous n'êtes que des criminels, vous n'êtes que des criminels, des assassins, des voleurs. Vous avez enrichi bon nombre de gens. Donc, en gros, ce que vous faites, c'est quoi? J'ai pris tout mon temps de lire. Je n'ai pas encore fini. Peuple congolais, regardez tout ce qu'il y a derrière. Regardez tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a derrière. Sans compter tout ce qui est, tout ce qui est ici, là. Donc, peuple congolais, Sassou Nguesso ainsi que ses suppôts et satellites, il s'est associé avec bon nombre des étrangers. Des étrangers. Donc, il s'est mis en complicité avec ces étrangers-là pour piller le Congo-Brazzaville. Donc, Sassou pille le Congo avec la complicité de tous ces étrangers dont il a ramené au Congo-Brazzaville. Ces étrangers dont lui, il a donné des moyens. Donc, le Congo est pillé avec ces étrangers-là que lui, il a donné des moyens. Pourquoi avoir donné tant de monopole aux étrangers? Parce que lui-même, il ne se considère pas congolais, c'est un étranger. Donc du coup, on en parlera en inbox. Merci. Donc du coup, on en parlera en inbox. Donc du coup, l'idée de l'avocat, nous allons trouver un avocat et nous allons demander le devis. Et le devis sera publié. Comme ça, le peuple congolais sera informé. Maintenant, ceux qui voudront faire quelque chose, ils voudront faire quelque chose. Mais nous allons chercher un avocat. On ne peut pas rester bras croisés. On ne peut pas, depuis des années, depuis longtemps, et pourtant nous avons des avocats. Nous avons des juristes. Et pourtant, nous, les membres de l'association amicale des indignés, nous avons eu à monter des maisons. Et nous avons lancé des appels dans ce sens-là. Mais comme on a toujours eu à le constater, rien ne s'est fait. On ne va pas rester bras croisés, on ne va pas continuer comme ça. Sassou ne va pas être là à voler, ainsi que son entourage, et bon nombre des étrangers vont continuer à s'enrichir avec notre argent. Et quand on regarde bien, le Congo, c'est le seul pays au monde, comme je l'avais dit, qui est cité dans plusieurs, qui a eu plusieurs procès partout dans le monde. Et le Congo a toujours été condamné. Donc, peuple congolais, nous allons nous battre, nous allons nous lever pour porter plainte, nous allons faire cela. Nous allons entreprendre des démarches et on vous tiendra informé. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, au regard des documents que j'ai en ma possession, ce n'est pas normal. Donc, voilà ce que nous allons faire. Prenez les calculatrices. Parce que nous allons commencer, chers compatriotes. Nous allons commencer. Deux petites minutes. Partagez la vidéo, chers compatriotes. Le document est là. C'est parti. Un pillage systématique entre, notez bien, pour ceux qui veulent noter, notez bien, entre 2001 et 2017,
nous avons pu reconstituer qu'un montant avoisinant plus de 5 milliards de dollars, soit 50% du montant de la dette extérieure, ou 2 années de budget de l'État, a été détourné par le clan Sassou. C'est le document que je vous ai parlé qui était sorti en Angleterre par la presse britannique, en anglais, j'ai traduit en français, mais j'ai le document aussi qui est en anglais. Regardez comment les Britanniques avaient présenté ce document-là. Si vous voyez là, je sais que vous allez voir ça à l'envers, mais suivez bien. C'est marqué affaire détournement. Affaire détournement. Là à côté, montant détourné. Donc, affaire détournement, montant détourné. Parce que il y a des montants de détournement que je vais vous donner. Tout est en dollars. Tout est en dollars. Donc, si vous avez des calculatrices à côté de vous, vous pouvez rentrer en Google, sur Google. Comme ça, vous allez, ben, vous allez mettre cela en franc CFA. Je n'ai pas eu le temps de le faire, cher compatriote. Comme ça, ça va être en franc CFA. Donc, en dollars, je vais vous donner des montants. En dollars. Ça y est là. Et là, je vous explique aussi. Détournement. 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 Là, c'est dans les entreprises où ils avaient détourné l'argent. Où ils avaient volé l'argent. Ces entreprises-là, que eux, ils avaient détourné l'argent, ces entreprises sont là. Là, ce sont les montants détournés. Donc, détournés, ce sont les montants qui sont là. Détournés, les montants sont là. Les montants sont là en dollars. En dollars. Christian Loulendo, salut mon jeune frère depuis Brazzaville. Salut Christian Loulendo depuis Brazza. Salut. Donc, c'est parti. C'est parti. Détournement. Donc, je vais commencer sur les entreprises que eux, ils avaient détourné l'argent. Nsukanga, bonsoir. Koraf Filia. Détournement. Plus d'un milliard de dollars. Plus d'un milliard de dollars. Détournement, plus d'un milliard de dollars. Je continue. Mag Industrie. Mag Industrie, là aussi, plus d'un milliard de dollars détournés. Saunders. $900,000 détournés. Gunvor, plus de 2 milliards de dollars détournés. Petroservice, Delcalzi. Je vous expliquerai sur ça. C'est un Italien. Donc, en relation Sassou Nguesso avec un Italien. Ils avaient créé leur entreprise fictive de pétrole, rien que pour voler l'argent des Congolais. Donc, Petroservice. Là aussi, plus d'un million de dollars, un million de dollars détournés. Socotram. Là, plus de 3 millions de dollars détournés. Le total de ce qui avait été détourné, plus de 5 350 millions de dollars détournés. Plus de 5, ça y est là, plus de 5 milliards. C'est bien marqué là. Total de l'argent détourné, ça y est là.
Total détourné. Ça y est là. Tout est en dollars. Ça y est là. Socotram, ça y est là. Socotram. Regardez vous-même les entreprises. Guinvor est là. Guinvor. Sondros est là. Tout ça. Tout ça. Regardez vous-même les entreprises. C'est en République du Congo. Total du montant détourné. Ça y est là. Peuple congolais, je continue. D'accord. Maintenant, je passe sur un autre document. Toujours dans le cadre de ce document-là, en Angleterre. Maintenant, là, c'était détournement, l'argent détourné. Là, maintenant, on vous parle de ce qui concerne l'affaire de blanchiment d'argent. Donc, des entreprises ou des personnes que eux ils utilisent pour blanchir l'argent. On vous parle des blanchiments. Et on vous parle des montants blanchis dans ce dossier-là. Blanchiment total détourné, tout est marqué. Dans le cadre des blanchiments d'argent, vous allez trouver Etoka. Le nom d'Etoka est là. Le dossier est là. Le dossier est là. Le dossier est là, chers compatriotes. Donc, ce qui concerne blanchiment d'argent, le nom d'Etoka est là. Vous voyez ? Etoka. Il est au hasard. Etoka. Il est où ? Etoka. Donc, là, vous allez voir, là, c'est là où ils ont utilisé l'argent pour blanchir. Voilà. Donc, peuple congolais, je continue. Etoka, Eko Will. Donc, ça veut dire que Etoka, lui, il avait blanchi 7 millions de dollars. Plus de 7 millions de dollars. Aspa Brass et Delaware, plus de 6 millions de dollars. Saint-Marin, donc Bouya, plus d'un million de dollars. Eker, donc la compagnie Eker. Eker et Coem, plus de 4 millions de dollars. Pipeline, Memorandum, plus d'un million de dollars. Je mets de côté. Je continue. Je reviendrai. Bon. Peuple congolais, ça, ce n'est que le début. Maintenant, de la manière que j'ai classé les documents, regardez bien cette dame-là. Regardez cette dame-là. Vous ne la connaissez pas. Vous êtes nombreux à ne pas la connaître. Alors, je pose la question à Sassou ainsi qu'à Coline Makosso. Je pose la question à Sassou ainsi qu'à Coline Makosso. Cette dame-là, Kumba Diokane, Kumba Diokane, elle est du Sénégal. Cette dame sénégalaise, elle a été recrutée par Coline Makosso, parce que Sassou lui avait demandé. Cette dame, Kumba Diokane, était ici en France, dans le réseau de la France-Afrique. Elle s'occupait d'autre chose.
Du coup, elle a été bombardée du côté de la communication au Congo-Brazzaville. Donc, elle a été recrutée ici, amenée au Congo-Brazzaville, où elle a maintenant des bureaux bien installés, chauffeur avec chauffeur, véhicule avec chauffeur. Elle a un gros salaire pour quelqu'un qui était dans le milieu de la France-Afrique, donc à la mairie, je ne sais pas de quelle ville, j'ai oublié, où elle occupait donc un poste, mais elle a tout abandonné en France pour aller s'installer au Congo-Brazzaville. Elle est encore là. Regardez. Une Sénégalaise. Et là, elle était en compagnie de son ancien ministre des Affaires étrangères à Abidjan. Quand on rencontre son ancien ministre des Affaires étrangères à Abidjan, on se rappelle les bons souvenirs du Quai d'Orsay, ma première astreinte dans la cellule africaine. Donc, voilà. Donc, Colinet Makosso a recruté cette dame-là, Koumba Djonkane, une nouvelle venue de la bataille des communicants à Brazzaville. Donc, elle a été recrutée par Colinet Makosso. Or, elle était à Évreux, voilà. C'est à la mairie de Évreux. Elle était là-bas à la mairie de Évreux. Donc, elle est dans le milieu de la France-Afrique. Donc, du coup, elle est maintenant à Brazzaville, où elle occupe un poste bien rémunéré dans le cadre de la communication. Elle qui n'était pas dans la communication. Donc, je pose la question à Sassou Nguesso et à Coline Makosso. Quel genre de lien qu'elle a avec Sassou Nguesso? Pourquoi vous puissiez la recruter ici en France, ramener à Brazzaville avec un gros salaire? Koumba Diokane. Peuple congolais, je passe sous ce dossier-là. Je passe à un autre dossier très rapide. Sassou Nguesso, l'entremat, une affaire d'État congolais. Partie 2. Le fils de Denis Sassou Nguesso, il n'est pas président, apparemment volé plus de 50 millions de dollars de fonds publics pour son gain personnel. Donc, 50 millions de dollars au trésor congolais en mettant en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. Six pays européens différents, les îles Vierges britanniques, les États-Unis, étaient tous impliqués dans un stratagème apparemment de blanchiment d'argent. Donc, blanchiment d'argent, voici ce qu'ils ont fait. A choisi un homme d'affaires portugais, j'avais lu cette page-là, pour agir en tant que candidat. Déplacement de 70 millions de dollars de fonds publics congolais par l'intermédiaire d'un réseau d'au moins 10 sociétés fictives établies à Chypre, en Estonie, en Espagne. A dépensé l'argent en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni, selon un rapport de police. Tous ces pays ont joué un rôle clé dans le stratagème permettant très probablement aux Sassou Nguesso de profiter du butin de leur argent sale en Europe. En avril, mon enquête a révélé comment Claudia Sassou Nguesso a utilisé une partie des fonds publics qu'elle a apparemment volés pour acheter un appartement de luxe à Tower Hôtel, ce document que j'avais lu, chers compatriotes, lors de ma dernière vidéo, c'est pour atterrir à ce document. Je vous avais parlé à ce document. Regardez ce document. Là, c'est l'usine du pétrole à Pointe-Noire. Dans ce document, vous allez comprendre le rôle joué par chaque membre de la famille de Sassou Nguesso.
Je vous montre d'abord le chemin. Regardez bien. Le chemin est là. Regardez bien. Alors, dans ce chemin-là, chers compatriotes, de ce qui concerne Sokotram, vous voyez à l'envers, mais écoutez bien les noms, regardez là, 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 de ce côté-là, regardez bien, là. Tout part de là, de ces deux personnages-là, pour la Sokotram, deux personnages, regardez bien, là, et ça descend. Là où ils avaient investi, là, ça descend jusqu'ici. Donc, c'est eux qui tiennent les manettes. Mais c'est qui ces deux-là? Actionnaires de Copremar et de Sokotram. C'est deux sociétés. Copremar et de Sokotram. Actionnariat. Donc, vous avez Wilfried Nguesso et vous avez la femme de Wilfried Nguesso. Donc, Wilfried Nguesso, du côté de la Sokotram, de ces deux sociétés-là, est patron, responsable, et la personne qui seconde Wilfried Nguesso, c'est sa femme. Donc, l'épouse de Wilfried Nguesso. Donc, il y a Wilfried Nguesso et sa femme qui gèrent Sokotram et Copremar, ces deux entreprises. Maintenant, Wilfried Nguesso a 91% de part. Sa femme, 9%. L'État congolais, 45%. Et en bas là, vous allez voir World Global Shipping, Congo-France. Là aussi, ce sont leurs actions qu'ils avaient investies dans des entreprises. Wilfried Nguesso. Là, c'est l'État congolais, 45%. Wilfried Nguesso avec sa femme, là, 55%. Ça, ce sont d'autres entreprises, hein, là. Gérées par les Wilfried Nguesso ainsi que sa femme. Wilfried Nguesso est là, sa femme est là. Regardez. Donc, Sokotram, Congo-France. Coprema, Congo-France. Parce que tout simplement, Sokotram aussi, ils ont des bureaux ici. Donc ces bureaux-là, ce qui leur arrive, ces bureaux-là leur permettent de pouvoir blanchir de l'argent. Pour aller dans le cadre du blanchiment d'argent. Donc, peuple congolais, regardez bien, suivez très attentivement. Je vais lire cette partie-là, comme ça vous allez comprendre leur fonctionnement. C'est parti, chers compatriotes. D'après les données de Refinitiv et Com sur les mouvements de navires, c'est assez. L'entreprise Refinitiv et Com sur les mouvements de navires, 7 tankers, 7 bateaux moyennes ont été approvisionnés à Djeno chaque mois entre 2014 et 2020. Donc, entre 2014 et octobre 2020. Copremar pourrait donc encaisser jusqu'à plus de 5 millions d'euros par an, par année, hein, grâce à cette nouvelle prime. Parce que ce qu'ils ont mis en place au Congo-Brazzaville, ce que vous ne savez pas, pour Sassou Nguesso et son clan, pour s'enrichir encore de plus belle, pour voler encore plus d'argent, voilà ce qu'ils ont mis en place. Donc,
la famille de Sassou Nguesso, pour ne pas dire la famille présidentielle, tirerait près de 6 millions d'euros annuels grâce à une nouvelle prime imposée aux tankers pétroliers. Il pourrait s'agir du dernier montage illicite de la famille Sassou Nguesso. Ces révélations font surface à quelques mois de l'élection de 2021, à laquelle Denis Sassou Nguesso, président en exercice pendant 41 ans, se représenterait. En juillet dernier, la façon dont Denis Sassou Nguesso, donc Christelle Denis Sassou Nguesso, aurait volé des millions de dollars à la société pétrolière nationale SNPC avant de les dépenser et bien des biens immobiliers et autres articles de luxe aux États-Unis, en France et ailleurs dans le monde. En 2019, nous révélons déjà que Denis Christelle et sa sœur Claudia auraient blanchi et dépensé plus de 70 millions de dollars de fonds publics détournés. La République du Congo frise le surendettement depuis des années, depuis les années 80, et a reçu son quatrième plan de sauvetage financier du Fonds monétaire international, FMI. En 2009, la chute des cours du pétrole en 2020 et la pandémie du Covid ne font qu'aggraver la crise économique en accablant davantage un système de santé déjà largement sous-financé. Donc, ça, c'est tout ce qui avait été révélé en tout ce qui concerne leur dernier montage pour pouvoir voler l'argent des Congolais. Chers compatriotes, de ce document-là, il y en a tellement beaucoup dans tout ce qui a été dit, mais je ne vais pas tout lire jusqu'à la fin. Ce document-là aussi, nous allons le faire partie du dossier que nous allons monter pour pouvoir les poursuivre en justice. L'information que je vais vous livrer sous ce qui concerne la dette congolaise. Suivez-moi très attentivement. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir comment ça se fait que l'argent du pétrole, de la rente pétrolière, et il y avait eu aussi de ce qu'on appelle les excédents budgétaires. Où va cet argent? L'argent va où? Puisque si vous ne le savez pas, je n'ai pas imprimé ce dossier-là, je l'imprimerai, je vais vous montrer ce dossier-là. J'aime bien parler des preuves, mais je peux vous en parler déjà. Par exemple, je vais prendre un exemple sur l'université Sassou Nguesso. Ce que vous ne savez pas, ils avaient contracté un crédit auprès de la Chine. Donc, tout ce que Sassou fait au Congo-Brazzaville, c'est avec des prêts. C'est avec des prêts. Donc, l'université Denis Sassou Nguesso, l'argent, ils avaient prêté de l'argent auprès de la Chine pour construire l'université Denis Sassou Nguesso. Mais à qui on avait donné le marché? À quelqu'un qui n'a pas d'expérience, à un entier, je vous montrerai le document, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui avait construit l'université dans un endroit sablonneuse, et voilà d'où les fissures qui ont déjà commencé, et voilà, ça ne va pas tenir puisque il n'y avait pas eu l'étude du terrain. Et pourquoi qu'on a donné ce marché à cet entier-là? Parce que tout simplement, il est marié à une fille du pouvoir. Maintenant, la question, la vraie question. Où va tout cet argent de la vente du pétrole, de nos recettes et des excédents budgétaires? L'argent va où? Puisque tout ce qu'eux ils font au Congo-Brazzaville, là, tout ce qu'ils ont pu faire là, ce n'est que par crédit. Donc, ils ont emprunté de l'argent auprès de la Chine pour la construction de l'hôpital, de
l'université Denis Sassou Nguesso, un prêt qui va de plusieurs années que le peuple congolais va rembourser. Donc, est-ce que vous avez un peu donc, mbongo ya pétrole, ya oya recettes, ya pétrole et zokota, mbongo wana et zomonanati. Les excédents budgétaires wana pe et zomonanati. Voilà, cet argent-là est détourné à leur profit. L'argent-là est volé à leur profit. Par contre, pour embrouiller le peuple, pour pouvoir faire quelque chose au Congo-Brazzaville, ils vont encore s'endetter. Donc, parce que si que la biso va dette, mbongo et zokota, ya pétrole, oh, parce que sombe la pétrole, bango yango bazo yiba. Yango de bango mbongo wana bazo sakana yango. Maintenant, pour faire un petit truc, ils vont s'endetter. Bake ko defa mbongo pour ma sala et moi et loko. Mais ces dettes là, mbongo wana faut tozo ngisa. Mais entre temps, ba recette à pétrole, mbongo e kewapi. Les excédents budgétaires, mbongo e kewapi. Voilà cet argent là qu'eux ils volent, dont ils gaspillent, et que le peuple congolais ne voit même pas. Pas au moins, n'a même pas. Chers compatriotes, l'argent volé des Congolais, eux, ils sont là à ouvrir des entreprises et ils donnent la responsabilité à leurs enfants. Quand je dis cela, je pèse bien mes mots. Ils ouvrent les entreprises, ils donnent la responsabilité à leurs enfants. Nous avons tellement de preuves. Peuple congolais, moi je parle avec des preuves. Regardez vous-même. Regardez l'immeuble. Regardez l'immeuble. Là où vous êtes là vous-même, là où vous êtes là, vous devez savoir. Naba Ope ba yebite, regardez, regardez. D'abord, peuple congolais, chers compatriotes, excusez-moi. Je vais quand même préciser des choses. Il y a plusieurs types d'immeubles ici en France. Pour vous qui ne vivez pas en France, ou pour vous qui ne le savez pas, il y a plusieurs types, je dis bien plusieurs types d'immeubles ici en France. Il y a des immeubles, ce qu'on appelle des immeubles à la, du style haussmannienne. Ces immeubles-là, qui ont été bâtis depuis belle lurette, c'est des immeubles de qualité. C'est des immeubles qui coûtent cher parce que ben, c'est des immeubles à l'époque voilà, du baron Haussmann. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, regardez bien vous-même. La qualité de cet immeuble-là, l'immeuble-là, regardez vous-même. Regardez vous-même d'abord ce genre d'immeuble. Il y a immeuble et immeuble. Hein. Il y a immeuble et immeuble. Mais regardez vous-même la qualité de cet immeuble-là. Regardez. Bangomoko Bayebi. On va éviter comme ça, vous allez être informé. Regardez vous-même. Regardez. Bon. Peuple congolais, je vous donne l'adresse. C'est dans les beaux quartiers de Paris. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. C'est au numéro 10, rue Georgesville. C'est au numéro 10, rue Georgesville. Regardez encore à nouveau l'immeuble. Maurice Nguesso a des appartements ici. Je parle au conditionnel. Je suis en train de mener mes enquêtes, je pourrais peut-être dire qu'il est peut-être le propriétaire de cet immeuble-là. Peut-être. Mais au numéro 10, rue Georgesville, dans le 16e arrondissement de Paris, ici, Maurice Nguesso a un appartement ou des appartements, ou peut-être qu'il est le propriétaire de cet immeuble. Mais déjà, M. Maurice Nguesso, à cette adresse-là, dans le 16e arrondissement, au numéro 10, rue Georgesville, Yomoko Ebi. Yango Oyo. Yango Oyo. Maurice Nguesso. Ce n'est qu'un début. Ben, il y a quand même vieux moment, non? Vieux moment, non?
au Maurice Nguesso. Bon moment, bala. Et ça, yo, non? Toi aussi, tu feras partie du dossier bateau bakusité comme voleur. Ça, je te le dis déjà. Il faut oyer Bakango. Maurice Nguesso. C'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Maurice Nguesso. J'ai tout le dossier. Te concernant toi, Maurice Nguesso. D'accord. Peuple congolais. Comme je parle avec des preuves, nous allons demander à Maurice Nguesso de se justifier ou à Rodrigue Nguesso, son fils, tout l'argent ou tous ces biens qu'il possède ici en France, comment ils ont eu l'argent, de quelle manière. Nous allons leur demander des comptes. Peuple congolais, regardez vous-même. Donc, quand on fait ça, le nom Maurice Nguesso est là. Donc, SCI Malzen. Donc, regardez. Donc là, c'est le siège là, dans la rue Malzen. SCI Malzen. Et quand vous descendez là, Maurice Nguesso est là. Ça, c'est des documents dans l'administration française. Donc, maintenant, Moutouaza, dans l'entreprise, au ministère de commerce, partout, tu dois apparaître. Maurice Nguesso est là. Comment est-ce que Maurice Nguesso? Maurice Nguesso. Fiche Nguesso. Donc, ça part de là. SCI Malzer, là. Le dirigeant, il est là. Le dirigeant, Maurice Nguesso. Il est où? Regardez vous-même. C'est pas fini. Je continue, chers compatriotes. Excusez-moi. Regardez vous-même le nom de Maurice Nguesso que vous allez voir. Là, je vous présente, disons, une bonne partie. Voilà. Je vais lire d'abord parce que je vais lire. Présentation de Maurice Nguesso. Maurice Nguesso dirige une entreprise pour un mandat. Son mandat principal est gérant au sein de l'entreprise SCI 23 Malzeb. C'est là-bas que, au numéro 23, rue Malzeb, dans le 8e arrondissement, dans les beaux quartiers. C'est là-bas le siège de son entreprise, Maurice Nguesso, géré par son fils Rodrigue Nguesso aussi. Donc, Maurice Nguesso évolue dans le secteur d'activité du BTP, travaux, donc BTP et construction. Voilà. Donc, c'est ce qu'il avait déclaré à la Chambre de commerce. Voilà, le papier est là, le document est là. Regardez vous-même. Maurice Nguesso. Présentation de Maurice Nguesso. Regardez. Avec son entreprise. Regardez. Regardez. Voilà. Je continue. Là, vous avez donc la présentation de la rue Georgesville. Dans le 16e arrondissement. Vous voyez vous-même. Regardez d'abord la rue. Comment est la rue? Regardez. Les immeubles qui sont situés dans cette ruelle-là. Les immeubles qui sont situés dans cette ruelle-là. Georgesville, au numéro 10. Nguesso Maurice. Regardez. Dans le 16e arrondissement. Je continue. Peuple congolais, je continue. Donc, j'ai tout le dossier concernant Maurice Nguesso. Mandataire gérant, mandataire, SCI 23 Malzeb est responsable, donc Maurice Nguesso, de la totalité de ses actes
qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles, voire pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de SCI 23 Malzèbre devant ses mandats, qui sont souvent les actionnaires de SCI 23. Donc ça, c'est dans les documents. Voilà, chers compatriotes. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'immeuble du 23 rue Malzèbre, là où sont situés les bureaux de Maurice Nguesso. Regardez. L'immeuble est là. Regardez l'immeuble. L'immeuble est là. Chers compatriotes, l'immeuble est là. Dans le 8e arrondissement, voilà. C'est dans cet immeuble-là que Maurice Nguesso a des appartements et il a un bureau dans le 8e arrondissement. Maurice Nguesso. Regardez bien. Dans le 8e arrondissement. Voilà le rapport des enquêteurs que je vais lire. Il faudra que notre sainteté de Maurice Nguesso explique aux Congolais où il aurait trouvé l'argent pour s'acheter tout le troisième. Ah ouais? Et je découvre. Hein. Ah, je découvre. Ça, je découvre. Je découvre. Peuple congolais, chers compatriotes, excusez-moi, parce que j'avais pas vu cette partie-là. Suivez très attentivement. Maurice Nguesso donc, doit expliquer aux Congolais où il aurait trouvé l'argent pour s'acheter tout le troisième étage d'un grand immeuble qui est situé au numéro 23 boulevard Malzèbre, dans le 8e arrondissement. Donc, tout le troisième étage. Vous entendez, hein, de la même manière, chers compatriotes, je suis en train de lire comme ça. Moi-même, je viens de découvrir cette partie-là, je ne l'avais pas vue. Donc, Maurice Nguesso doit expliquer aux Congolais où il aurait trouvé l'argent pour s'acheter tout le troisième étage d'un grand immeuble situé au numéro 23 boulevard Malzèbre dans le 8e arrondissement, qu'il aurait déclaré comme une SCI. Maurice Nguesso aurait été le seul propriétaire à faire des travaux dans les dits immeubles. Le frère aîné de Denis Sassou Nguesso dispose aussi d'un autre bien immobilier à Argenteuil, situé au numéro 38 rue Poirier à Argenteuil. Son fils Rodrigue Nguesso devra aussi dire aux Congolais où il aurait trouvé l'argent pour s'acheter un bien immobilier au 10 rue Georgesville dans le 16e arrondissement, l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a Maurice Nguesso, ainsi que son fils, Rodrigue Nguesso, dans le 16e arrondissement, 10 rue Georgesville, dans le 16e. Maurice Nguesso vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Je n'ai pas fini de mettre sur la lettre tout ce que je sais, en tant que citoyen. Donc, j'ai des droits de cette guerre, voilà, cette guerre peine commence. J'ai bien dit, tous les coups sont permis. Où se trouvent les comptes cachés de M. Sassou Nguesso, ainsi que les 16 autres villas qu'il dissimule. Qu'il dissimule, on va faire exploser la République bananière. Donc ça, c'est quelqu'un qui avait tout dévoilé, qui avait tout dit devant les enquêteurs. Peuple congolais, je vous ai donné des adresses. C'est un document. Et avec tout ce que j'ai essayé comme pour M. Maurice Nguesso, donc de Maurice Nguesso, de
Jean-François Ndengue, le dossier est là déjà. Donc, ce que je vous ai expliqué, je poursuis. Peuple congolais, chers compatriotes, dossier Maurice Nguesso, je mets de côté. Je passe sur Edgar Nguesso. Bien sûr que les autres sont là. Écoutez bien. Vous-même pouvez convertir en franc CFA. Les montants que je vais vous donner, regardez, c'est le point qui avait publié. C'est le point qui avait publié. Voilà. Le point. C'est parti. $18 millions de virements depuis la direction générale du Trésor du Congo-Brazzaville. Ngondo, Félix Galogo, tous ceux qui travaillent au Trésor public, vous devez savoir qu'ils sont de mèche avec Sassou Nguesso. On les avait placés là-bas pour faire que le travail de Sassou. Donc, ne vous étonnez pas, tout ce que vous entendez là, oui, les Ngondo, tout ce monde-là, ils sont bien complices. Je dis bien, ils sont bien complices de ce qui se passe, de l'argent qui sort du trésor public congolais. Voilà peuple congolais, chers compatriotes, comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière vidéo et que je venais de l'expliquer aussi à nouveau au début de la vidéo. Regardez, l'argent sort du trésor public congolais. Donc, c'est l'argent du peuple congolais. C'est l'argent des Congolais. C'est avec cet argent qu'ils viennent acheter des biens ici en Europe, un peu partout dans le monde. Mais une fois que ces biens-là sont saisis, l'argent rentre dans les caisses de l'État français, dans les caisses américaines ou australiennes ou britanniques. Vous voyez? Et pourtant, l'argent, c'est l'argent des Congolais. Je continue, chers compatriotes. Dans le volet congolais, les investigations avancent aussi. Les juges ont déjà saisi plusieurs propriétés du clan Sassou Nguesso, ainsi qu'une dizaine de voitures de luxe. Ils ont notamment saisi, à titre conservatoire, en 2014, le triplex occupé par Edgar Nguesso. Edgar Nguesso, 49 ans, et sa famille dans la banlieue cossue de Neuilly-sur-Seine, près de Paris, un appartement neuf, près de 40 mètres carrés acheté, je l'avais dit, je l'avais diagnosté, près de 2 millions d'euros, sont soupçonnés d'en être le véritable propriétaire par le biais d'une SCI IMO. Ça aussi, j'ai le document concernant cette fameuse SCI IMO. Pourquoi ils avaient créé des sociétés anonymes? Pourquoi? Ils avaient créé des sociétés anonymes pour pouvoir acheter les biens et pour ne pas que leur nom puisse apparaître. Par exemple, quand l'équipe, tu les vas congoler la maïelle. Eux, ils pensent que les congolais sont dépourvus d'intelligence, mais à la bas de l'équipe, ils ne peuvent pas la maïelle. Même si vous avez créé des SCI pour vous cacher derrière ces SCI, j'avais eu à expliquer cela. Pendant longtemps, j'ai toujours dit ceci. Même si vous avez créé des SCI, Bissot, Toko découvrir le bino. On saura qui est qui. Donc, SCI IMO. Et ça, SCI, il y a Edgar Nguesso. C'était seulement dans le but aussi, il y a quoi, Yibambo, il y a Congolais. SCI IMO, qui est basé aussi à Brazzaville, dont j'ai des documents. SCI IMO, Azana va bien ébélé, Awa, ou va Somba Bandako. Dont les fonds auraient été alimentés par une société écran, CIPC, géré par madame, on a la personne qui dit le combo, Catherine Inyanga. Dans leur ordonnance de saisie, dont avaient eu connaissance les journalistes français, le juge révèle que la société écran aurait reçu des virements
en provenance quasi exclusivement de la Direction générale du Trésor du Congo, Brazzaville, pour un montant total. Eh bien, dis donc. Allez-y vous-même, chers compatriotes. Donc, de plus de 18 446 339 euros sur 2008 et 2009. Soit la période de l'achat et des travaux du triplex. Edgar Nguesso a notamment acheté pour plus de 400 000 euros. 400 000 euros. Pour plus de 400 000 euros de costumes. De costumes réglés par cette société basée à Saint-Marin qui aurait servi à financer de nombreuses dépenses du clan présidentiel. Sa mère, Catherine Inanga, 69 ans, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à cette société. Voilà, peuple congolais, ce que je viens de vous lire. Je passe à autre chose. Mon message s'adresse maintenant à Madame Charlotte Ovunda. Vous êtes peut-être nombreux à entendre pour la première fois le nom de Madame Charlotte Ovunda. Qui est Charlotte Ovunda? J'ai tellement de dossiers, peuple congolais. Demain, c'est samedi. Nous avons le temps de pouvoir aller étape par étape, document par document. Comme ça, vous allez être informés de ceux-là qui se sont enrichis, qui s'enrichissent encore avec l'argent des Congolais. Je parle maintenant de Charlotte Ovunda. Qui est Charlotte Ovunda? Charlotte Ovunda. Ça dit que eux, ils vivent dans un monde des bonobos. Dans un monde des bonobos. Charlotte Ovunda, qui est la femme de Gomez Makanda. Mais qui est Gomez Makanda? Encore un autre traître de la République au service de Sassou Nguesso. Gomez Makanda, du côté de la détente, c'est lui qui est le propriétaire qui gère là-bas. Gomez Makanda. Mais Charlotte Ovunda. Charlotte Ovunda. Qui est tellement proche d'Antoinette Sassou Nguesso. Charlotte Ovunda, qui est au cœur de beaucoup de scandales. Charlotte Ovunda a émis Makambo ébélé, tellement ébélé. Cette dame-là rentre même dans la chambre de Sassou Nguesso. Cette dame-là fricote encore aussi avec Sassou Nguesso, tout en étant complice d'Antoinette. Quand il y a des problèmes entre Sassou Nguesso et Antoinette, c'est Charlotte Ovunda qui vient régler le problème. Antoinette va, c'est Charlotte Ovunda. Charlotte Ovunda, qui est la femme de Gomez Makanda. Voilà, peuple congolais. Les noms que vous devez retenir, je vous ai toujours dit. Dans le, il y a Sassou et ses suppôts, ainsi que ses satellites. Excusez-moi, chers compatriotes. On va y arriver. On y va. Charlotte Ovunda, qui est la tante de Jean-Bruno Richard Itoi. Si Jean-Bruno Richard Itoi est là, c'est Charlotte Ovunda. Charlotte Ovunda est au cœur de beaucoup de scandales. Ayebi Makambo ébélé. Oh, ça soit salak. Gomez Makanda sait bien que moi, si n'est Abimakali Susuna Sassou. Antoinette a aimé bien que Moninga n'est Charlotte Ovunda. Abimakali Susuna Sassou. Mais Azabaza Kawana, d'où je vous ai parlé dans le vie que Bazana Monde est ma bonobo. Charlotte Ovunda.
Alors, Charlotte Ovunda, la tante de Jean-Bruno Richard Itoua. Jean-Bruno Richard Itoua. Vole l'argent des Congolais depuis des années. Et comme la tante, c'est là, Charlotte Ovunda. Jean-Bruno Richard Itoua a fongolé ma compte pour Charlotte Ovunda. Cette femme-là, que vous entendez le nom Charlotte Ovunda, Boyebisaye, elle est riche avec l'argent des Congolais. C'est la tante de Jean-Bruno Richard Itoua. Pour dire encore à Charlotte Ovunda. Mais Charlotte Ovunda, Nama Kamboyo surtout à ma BO Sassou à Saraka, puisque tu es tout le temps collé à Sassou, puisque tu es là, dans ce fameux cercle des gens du pouvoir. Charlotte Ovunda. Nama Kambo wa tekisi ma belle la bisou pa Rwanda. Yo olobini. Olobini ni Charlotte Ovunda. Li koloka yambongo. Peuple congolais. Quand je vous parle d'Antoinette, je ne mâche pas mes mots. C'est pour que vous puissiez comprendre que cette femme-là, elle est de beaucoup. Dans la misère, dans la souffrance des Congolais. Je vous explique. Si vous pensez que cette dame-là, elle a toujours été là où elle est là pour l'intérêt de la population congolaise, vous vous trompez largement. Cette femme-là aime tellement l'argent et les honneurs. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc tout ce qui est mauvais, ce que fait son mari, ce n'est pas son problème. Elle est aussi complice. Preuve en est que l'exemple que je venais de vous prendre sur Charlotte Ovunda, la femme de Gomez Makan, mais qui couche encore avec Sassou Nguesso. Et Antoinette, elle est proche de Charlotte Ovunda. Elle le sait. Vous voyez? Ça dérange Antoinette? Pas du tout. Donc, tout ce que Sassou fait, Antoinette, ce n'est pas son problème. Sassou, je l'avais déjà dit, Ezamawa. À Sala Potopoto na Katia famille nae. Il y a Antoinette, je parle. Sassou couche avec les sœurs d'Antoinette. Sassou couche avec les nièces d'Antoinette. À preuve avec l'exemple, Sassou couche avec Blondine, sa propre fille. Antoinette, elle est où? Elle est toujours là. Sa propre fille. Lili Lomande, un gars de la RDC, qui était marié à Blondine. Et Lili Lomande, pourquoi Aboya Kalibalawana? Pourquoi Akabola Kalibalawana? Pourquoi Libalawana est Koufa? Lili Lomande. Lili Lomande, je vous dis non, Mobali Naye, où est Blondine? Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Blondine a Bimaka Susna Sassou Nguesso. Lili Lomande a Bendama Mouna et Akenda. Donc, c'est pour vous dire qu'Antoinette, cette femme, Antoinette, Sassou Nguesso couche avec sa propre fille, Blondie, mais elle est toujours là. Sassou Nguesso couche avec Rima. Rima, l'enfant de sa grande sœur, de sa sœur qui est décédée. Rima, l'enfant de sa sœur qui est décédée. Rima. La maman d'Anaël. Sassou Nguesso couche avec Rima. Antoinette Sassou Nguesso, elle est toujours là. Bon, mon accueil est normal. Vous croyez que moi, je m'adresse à cette femme-là pour le plaisir de s'adresser à cette femme-là, mais parce que je sais qu'elle est responsable de beaucoup de choses. Namakambo Bisoto vivra dans le Congo. De ce qui se passe, elle est responsable. La vidéo que je viens de vous montrer au début de la vidéo, où elle avait fêté son anniversaire de plus de 1 million de francs CFA. Et Télé Congo, on va nous montrer des images comme quoi qu'elle était partie distribuer des vivres aux orphelins. Or qu'elle était à Cannes
à s'entromper pour son adversaire. La vidéo, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous trouvez cela normal? Charlotte Ovunda couche avec Sassou Nguesso. Or, Charlotte Ovunda, elle est proche d'Antoinette, la femme de Gomez Makanda, la tante de Jean-Bruno Richard Itoua. Voilà leur monde à eux. Peuple congolais, je poursuis. Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi. Je continue, chers compatriotes. Je vais vous montrer une façon de dire, quelques photos de celui qui est devenu multimilliardaire avec l'argent des Congolais. Je vous avais parlé de ce monsieur-là lors de la dernière vidéo, quelqu'un qui s'est enrichi avec l'argent des Congolais, mais qui soutient l'extrême droite, donc un soutien de Zemmour, Hubert Ponzino. Hubert Ponzino, peuple congolais, voilà Hubert Ponzino. Très heureux, très en joie avec l'argent des Congolais. Hubert Ponzino. Regardez. Hubert Ponzino. Hubert Ponzino. Je vous avais dit, allez-y sur sa page Facebook, vous allez voir. Là, en famille, Hubert Ponzino. Il est là. C'est sa page Facebook. Hubert Ponzino. Voilà. Donc, c'est peut-être ses petits-enfants, voilà, en famille, devenu multimilliardaire avec l'argent des Congolais. Hubert Ponzino est né le 1er janvier 1941. Hubert Ponzino est gérant de l'entreprise Le Flamboyant, qui a été créée en 2002. Le chiffre d'affaires de la société n'est pas communiqué. Hubert Ponzino est également mandataire de deux autres société. Pourquoi je suis revenu encore sur Hubert Ponzino? Pourquoi je vous ai encore parlé de lui et pourquoi je lis ce document-là? Je vous avais dit ceci. Hubert Ponzino n'est qu'un homme de paille. Il gère les entreprises de qui? De Sassou Nguesso. Il est basé où? À Pointe-Noire. Regardez vous-même, c'est marqué Pointe-Noire. Habite à Pointe-Noire. Pointe-Noire, ça y est là, regarde. Hubert Ponzino, Pointe-Noire, regarde. Habite à Pointe-Noire, Hubert Ponzino, regarde. Ceux qui se sont enrichis avec l'argent des Congolais, devenus des multimilliardaires, Hubert Ponzino habite à Pointe-Noire. Posez la question à votre chef. Qui est Hubert Ponzino? Hubert Ponzino est également mandataire de deux autres sociétés. Socofran, déjà, société Moussou Siango Oyo. Regardez. Hubert Ponzino, président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire. Ah, Congolais, peuple congolais. Qui a dit, hein? Vraiment, qui a dit? Actionnaire majoritaire de Socofran est arrivé au Congo-Brazzaville en 1968. Son sens des affaires en qualité, entrepreneuriat, tout ça lui ont permis de gravir au fil des années, tout ça. Bon, écoutez, c'est peuple congolais, excusez-moi, j'ai déjà assez mal à la tête, je prends un autre dossier, je continue.
je continue. Hubert Pondino, j'ai lu sur Hubert Pondino, je prends un autre dossier. C'est malheureux, c'est malheureux. J'ai déjà assez mal à la tête comme ça. C'est malheureux. Regardez. Regardez, chers compatriotes. Regardez. Ils attaquent la vidéo. Ils attaquent la vidéo, mais vous pouvez attaquer. Attaquer comme vous voulez, vous pouvez attaquer la vidéo autant que vous voulez. On n'en parle plus de toutes les façons, c'est dans vos habitudes. Continuez à attaquer la vidéo. De toutes les façons, dès que j'avais dit vendredi au missile numéro 003, vendredi, dès que j'avais dit vendredi, vous avez sorti vos petits, vous avez sorti tout ce monde-là pour venir contrecarrer, brouiller la vidéo. Donc vous avez sorti vos petits, que les petits, vos petits fassent aussi des vidéos pour ne pas que le message puisse passer. Vous n'avez rien compris, je vous ai toujours dit ceci. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais onaza nango eko bima, nako loba. Atabo bimisi, ce qui va pécher, ne pouvez pas contrecarrer, ou sa skindini. Je serai toujours là. Quand vous allez attaquer la vidéo pour Ekatala, nako loba, toujours. Tant que Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a créé, Dieu de l'univers, tant que j'aurai la force des esprits, je parlerai toujours pour mon pays. Donc, vous pouvez attaquer autant que vous voulez la vidéo. Ça ne m'empêcherait pas de parler. Je parlerai toujours. Peuple congolais, dans vos cas, c'est un zambé, malgré la fatigue, on est là. On parle. Regardez vous-même. Regardez. Vous le connaissez? Regardez bien. Ceux qui sont devenus riches, multimilliardaires, avec notre argent. Regardez. Vous le connaissez? Alors, c'est José Vega. José Vega. José Vega. Qui est en affaire avec Sassou Nguesso, avec Kiki, avec Bouya, avec Rigo, comment il s'appelle, l'autre là, du trésor là, là. Comment il s'appelle, du trésor là, là. Non, c'est pas Rigobert, c'est pas, comment, bon, j'ai oublié, regardez, José Vega, devenu multimilliardaire avec notre argent, regardez bien. Maintenant, posez-leur la question. Vous êtes des gens mauvais. Hein? Bon, regardez le document que je vais vous montrer. La cartographie des dirigeants. Vous-même, vous allez comprendre. Et je veux compter le nombre d'entreprises géré par José Vega. Oui, Ngondo, il est en relation avec Ngondo, tout ce monde-là, José Vega, multimilliardaire avec notre argent. Regardez. Ezamawa, regardez. José Vega, il est là, au centre. Il est là, José Vega. Il est là, au centre, José Vega. Maintenant, regardez. Les nombres d'entreprises gérées par José Vega. Regardez, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 entreprises gérées par José Vega. Mais regardez bien dans le schéma que je vous ai présenté. Il y a quelqu'un qui est au-dessus là. Là, regardez bien. Quelqu'un qui est au-dessus de José Vega, car en fait, José Vega est au milieu. Là, bonsoir maman Puchéri, bonsoir. José Vega est là, mais regardez quelqu'un, point d'interrogation, qui est au-dessus là. Donc en gros, qui chapeaute tout ça. Regardez. Et pourtant, José Vega,
un Portugais, arrêté au Portugal, arrêté par la justice portugaise, où il y avait eu ce fameux procès au Portugal, José Vega. Une fois arrêté au Portugal, où ils avaient trouvé 8 millions d'euros dans la maison de l'autre là. Il est là, le voleur là. Il est là. 8 millions d'euros en espèces, ils avaient trouvé dans la maison de l'autre là aussi, qui est dans le... Pangondo. Il y en a encore un autre là aussi, là. Un autre voleur de la République qui est au trésor là, qui est ministre des Finances ou du Budget, c'est pas qui là. Il y a encore un autre là. Ce fameux procès au Portugal, où José Vega était reconnu coupable, voleur. Où José Vega était reconnu coupable, voleur. Il avait été mis en cause. Le nom de Sassou avait été révélé. Mais José Vega, avait été arrêté, payé des amendes. Peuple congolais, regardez votre argent. Regardez. Ondongo, voilà. C'est Ondongo. Ondongo. C'est Ondongo. Ondongo. Au Portugal, la maison, la villa de Ondongo avait été saisie par la justice portugaise. Lors de la perquisition, ils avaient trouvé 8 millions d'euros en espèces. José Vega arrêté au Portugal. Voilà ce que j'ai toujours dit. Mais l'argent de Ondongo qu'on avait saisi dans la villa d'Ondongo au Portugal, c'était parti dans les caisses de l'État portugais. La villa d'Ondongo qui a été saisie au Portugal, vendue aux enchères, l'argent avait fini dans les caisses de l'État portugais. Vous voyez ce que j'ai eu à ce que je n'arrête pas à vous expliquer, chers compatriotes. Mais comme nous, les Congolais, on ne s'était pas constitué partie civile, l'argent a été perdu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? On va y arriver, chers compatriotes, on va y arriver. Donc, 11 sociétés gérées par Ngondo. L'autre société de José Vega. Encore, l'autre société de José Vega. Regardez vous-même. Je parle avec des preuves. Ça y est là. Dans ce document-là que je vous ai présenté, José Vega gère 11 entreprises. Et au-dessus, vous avez vu qui est là? Au-dessus là. Donc celui, ce dernier-là qui chapeaute tout ça là. Donc José Vega a un patron qui est là. On avait mis point d'interrogation. Il est Oyo. Mais on sait bien que c'est Sassou. Donc de tout ce qu'il gère, José Vega. José Vega, je dis bien, c'est l'argent des Congolais. José Vega n'est qu'un homme de paille. Yéoyo. L'autre entreprise gérée par José Vega, écoutez-moi bien, SCI Veipa. Les 5 dirigeants de la société SCI Veipa, mandataire de SEBA, qui a été ouvert en 2017, Angelo Vega et José Vega. Donc, l'autre entreprise de José Vega, Veipa, là, il avait introduit ses membres de la famille. Donc, aperçu de la société SCI Veipa. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas possible, là. Dis donc, c'est malheureux, quoi.
C'est malheureux. Je vais essayer de trouver. Là, donc leur activité, c'est dans le BTP. Bâtiment travaux publics. Ah oui, c'est ici, l'île est bon. C'est dans le 76. Voilà. José Vega est président de l'entreprise CMO. Ça, il y a... Déjà que je ne suis pas bien là, doucement, parce que là, j'ai déjà vraiment déjà mal à la tête. Donc, José Vega, OP Entreprise Pemoussous. CMO, José Vega, notre entreprise CMO, quand tout à l'heure, je vous ai dit qu'il dirige 11 entreprises, 11 José Vega, avec l'argent des Congolais. Donc, là aussi, regardez. La tienne nous pose la José Vega. Comme ça, je vais faire le lien sur un autre sujet très rapidement. Comme ça, je vais vous choquer. Je vais choquer bon nombre de gens. Regardez. À vous qui n'êtes pas du Congo Brazzaville, à vous qui suivez cette vidéo, à vous qui allez suivre cette vidéo, elle est différente. Comme ça, vous allez comprendre la réalité du Congo Brazzaville. Donc, Sassou Nguesso, un voleur qui pille le Congo, qui est là enrichi des étrangers, qui place l'argent des Congolais dans plusieurs pays du monde, devenu multimilliardaire, tandis que nous-mêmes, la population congolaise, voilà la réalité de la population congolaise. Voilà la réalité de ce qui se passe au Congo Brazzaville. Regardez vous-même. Regardez. Voilà la réalité du Congo. Voilà la réalité du Congo. Voilà. Ça, c'est au Congo-Brazzaville. Les soi-disant, les enfants de la rue. Depuis quand la rue a déjà engendré? Voilà la réalité du Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà la réalité du Congo-Brazzaville. C'est malheureux. La réalité est là. Je continue. Voilà la réalité du Congo Brazzaville. Aux soi-disant hôpitaux. Hôpitaux. Soi-disant hôpitaux. Regardez la réalité du Congo Brazzaville. Tandis que les José Vega, devenus multimilliardaires avec l'argent des Congolais, les José Vega jouent avec l'argent des Congolais. Et vous trouvez que vous êtes des gens normaux et Zamawa. Peuple congolais, chers compatriotes, je continue. Je prends un autre sujet. Il y a tellement de dossiers là, mais je veux continuer, chers compatriotes. Demeurons dans la prière, chers compatriotes. Merci à vous qui me soutenez spirituellement et moralement. Ce n'est pas facile. On est là, mais on va arriver à terminer la vidéo et on va évoquer les sujets sans problème. Malgré toutes leurs attaques de tout genre, mais bon, on est là. Posez la question à Sassou Nguesso. Au fait, Boucherie Naïe, Boucherie à Sassou et comment, où est-ce que nous en sommes avec son histoire de Boucherie là? En plus de 40 ans de dictature, de pouvoir, de vol, de tout genre, à Fongola Boucherie. Donc le boucher Sassou Nguesso, Boucherie Naïe, ça fonctionne toujours où et Kanga? Je pose une question. J'aimerais savoir, est-ce que la boucherie de Sassou Nguesso fonctionne toujours? Boucherie na Yewana. Le boucher Sassou Nguesso. Et là, quelqu'un qui visite l'abattoir na Yé. Le boucher, il est là.
Regardez. Tout ce qu'il entreprend ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas du tout, du tout, du tout. Sassou Nguesso pourra tout faire. Ata et Lokomoko, et Kosibate. Safo Boye Bakango. Oh, boucherie à Sassou Nguesso, et Kenda Wapi. Je pose une question. Je voulais savoir si et Kanga ou Ezaka toujours à Kofungam. Bon, ça peut être cause à nous à Kofungam. Mais ce que je sais, l'information sûre, de source sûre, il n'y a pas de client. Ma client va Zalakati. Peuple congolais, on poursuit. Au dossier, nous sommes sur la tienne à nous pémer. En gros, après. Demain après-demain, nous avons un dossier, nous sommes. Regardez d'abord ce que je vais vous présenter. Voilà. C'est schématisé. Regardez. Tout ce que vous voyez là, ce sont les entreprises créées avec l'argent des Congolais. Tout ça, ce que vous voyez là, ce sont des entreprises créées avec l'argent des Congolais, où ils avaient investi. Donc, au bout, t'as la bien. Donc, je viendrai demain après-demain, ou je ne sais pas comment, mais avec des documents où vous allez découvrir un Égyptien multimilliardaire avec l'argent des Congolais aussi. Il est en business avec Sassou Nguesso et Sassou avait délégué sa fille Sandrine, non Julienne, c'est Juju. C'est Julien qui est auprès de cet Égyptien-là. Donc, c'est Julien qui est en relation directe avec cet Égyptien-là, qui est multimilliardaire. Cet Égyptien-là est actionnaire, par exemple, à Euronews. À Euronews. Donc, ce que vous voyez là, c'est là où il y a des actions de Sassou Nguesso. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi dans la presse française, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle, on ne parle jamais du Congo-Brazzaville. Certes, il y a Paul Pigas qui est là, mais de l'autre côté aussi, il y a cet Égyptien-là qui joue un rôle énorme puisqu'il est actionnaire chez Euronews, dans les médias français. Mais dans ses actions qu'il avait achetées, et comme il travaille avec Sassou Nguesso, ça veut dire que Sassou est derrière cet Égyptien-là, vient par sa fille Julienne. Je vous montrerai la photo de cet Égyptien-là, mais regardez les holdings. Je vous donne le nom de Sawiris, derrière la chaîne TV. Il s'appelle Sawiris. Le clan Sawiris, un Égyptien multimilliardaire. Donc, de ce que vous voyez là, ces actions sont là dans ces entreprises-là. Dit cet Égyptien-là, dit Sassou Nguesso. Je vous montrerai la photo. Vous-même, vous allez voir la photo. Regardez bien. Euronews. C'est là. Euronews France. Ça y est là. Donc, Sassou est actionnaire dans plusieurs entreprises ici en France, mais derrière le dos de certaines personnes.
Bino va te soutenir kaye bozo la nanga moyi bina bino ya président aza actionnaire na ba entreprise ya ebele mais na sima ya bato. Je mets de côté. Peuple congolais, sans oublier le testament. Le testament est là. En gros, une façon de dire, je n'ai pas encore fini avec le testament parce que il y en a tellement. Le testament est là. Donc, peuple congolais, ne vous en faites pas. Sur le testament, vous aurez encore beaucoup d'informations. Pilleurs d'Afrique. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de M. Franco Contafio. Je vous avais donné le nom de M. Franco Contafio. Franco Contafio. Et de M. Franco Contafio, c'est dans le même... toujours dans le même style, dans le même sens que les monsieur Hubert Ponzino. C'est dans le même registre hein, que monsieur Hubert Ponzino. Donc, monsieur Contafio, pareil, multimilliardaire avec l'argent des Congolais. Là, je venais de vous parler de monsieur Hubert Ponzino, là c'est monsieur Franco Contafio. Encore un autre bras droit de Sassou Nguesso pour gérer son argent. Ce monsieur Franco Contafio, devenu multimilliardaire avec l'argent des Congolais. Donc monsieur Franco Contafio avait créé son entreprise. Franck Export. Franck Export. Donc, l'entreprise Franck Export que je vous avais parlé, je crois, dans la dernière vidéo, Franck Export, tout ce que je vous sors là, ces documents-là, ça fait partie des données des entreprises ici en France. Vous voyez l'entreprise qui va dans la quatrième donnée là. Au ministère de Commerce, donc, quand c'est de faire des recherches dans ma entreprise, il y a une façon de procéder. Il y a quelqu'un qui va procéder, mais tu auras. Donc, M. Franco Contafio ne peut pas contredire. Il ne pourra pas me contredire. Donc, M. Franco Contafio, un bras droit de Sassou Nguesso, qui gère l'argent de Sassou, qui est devenu multimilliardaire. Donc, il avait ouvert son entreprise pour blanchiment d'argent. L'entreprise Franck Export, où il y avait eu même un scandale. Franck Export, parce que le clan Sassou allait prendre des liquidités du côté de Orly chez Franck Export. Donc, ça veut dire qu'il y avait un coffre là-bas. Un exemple, je vais vous expliquer. Kiki va arriver à Paris, mais il a besoin de liquidité, il va se diriger chez Franck Export. Donc, il va le retirer chez Franck Export. Donc, s'il a besoin d'1 million d'euros, il y a un coffre-fort là-bas, on va lui sortir 1 million d'euros. Donc, dans les bureaux de Franck Export, il y avait des liquidités d'argent là-bas. Il y avait des liquides là-bas. Oh, Edgar Nguesso a besoin d'argent, il va les prendre là-bas. Donc, il y a Vandal, c'est-à-dire qu'il y a Vandal net bon qui a bao. Net bon qui a bao. Donc on a Bakam Bambo. Franck Export.
Bah, oh, bah, yébi, bah, yébi. Géré par monsieur Franco Contafio. Mais monsieur Franco Contafio, que je vous avais parlé, monsieur Franco Contafio, en dehors l'entreprise mère qui est là, Franck Export, là, monsieur Franco Contafio gère toutes ces entreprises-là. Donc, vous allez voir, comme monsieur José Vega, un exemple, je vous ai montré la photo, il gère 11 entreprises. Monsieur Franco Contafio, c'est presque la même chose. Il gère combien d'entreprises? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Donc, monsieur Franco Contafio a un allié dont il avait aussi donc le second. Il est là, Michel Bézières. Michel Bézières. Donc, là, Franco Contafio. Là, maison mère. Là, Franck Export. De Franck Export, son associé, donc qui est le second, qui est là. Monsieur Michel Bézières, là. Et après, monsieur Michel Bézières, qui gère ça aussi. Mais tout ça, c'est monsieur Franco Contafio. Maintenant, vous allez voir, là, il y a toujours quelqu'un qui est là, point d'interrogation. De la même manière, comme dans le dossier de monsieur Hubert Pondino, il y a toujours quelqu'un qui est là, là, qu'on ne vous montre pas la photo. Regardez, vous voyez? Donc, les quatre dirigeants de la société Franck Export, dirigeants mandatés Franck Export. Donc, je continue. Regardez. Franck Export. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Là, on vous met là. On ne met pas de nom. Je continue. Hein. Franco Contafio, né en 1963, activité logistique. Ce qu'il avait déclaré. Franco Contafio, son mandat principal, tout et tout. Ça, c'est dans les documents de ce qui concerne le ministère des Commerces. Voilà, là, là, ça fait plus de 2 millions de dollars américains. Plus de 2 millions de dollars américains. Je vais vous montrer les chiffres, c'est important. Peuple congolais, voilà. Ça, ça fait partie des transactions. Regardez vous-même. Les transactions, là. Ça y est là, les transactions, là, ça y est là. Donc ça c'est en Google, hein, en France CFA, tout ce qu'on a, on a pu tirer, tout est là. Je continue comme ça. Voilà. Je vais essayer de trouver un document. Franco Contafio. Voilà, ok. D'accord. Voilà. C'est dans ce document-là, ce que je cherchais, c'est dans ce document-là que la justice française et que la presse française avait relayé les informations sur ce que je venais de vous parler tout à l'heure là, de Franck Export. Donc, très rapidement, je vais lire. Bien mal acquis, la société écran qui servait de cagnotte en France à Sassou Nguesso. En France, les juges chargés de l'enquête sur les biens mal acquis viennent de mettre au jour un système qui permettait au
il n'est pas président, à Denis Sassou Nguesso et sa famille d'accumuler les richesses. Des plaintes déposées en France en 2007 par plusieurs associations ciblent également donc voilà, les Bongo et les autres. Rien ne distingue a priori la société Franc Export de ses voisines établies dans la zone de fête de l'aéroport d'Orly, à proximité de Paris. Spécialisée dans le transport et l'entreposage des marchandises depuis 1996, l'entreprise au modeste capital 7 622 euros et au chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2011 n'emploie que 9 personnes. Si on en croit sa fiche disponible sur Internet, pourtant, derrière cette banale façade, les juges d'instruction, Roger Leloir et René Gourmand ont découvert tout un système qui servait de tirelire, il n'est pas président, à Denis Sassou Nguesso et sa famille, comme je viens de vous le dire. Sur les biens mal acquis, ouverts en 2010, révèle donc un système qui permettait à Denis Sassou Nguesso et à son entourage de se constituer un patrimoine monumental et assurer leur train de vie, explique le Parisien. Ainsi que les enquêteurs ont trouvé la trace de 9 millions d'euros. 9 millions d'euros, chers compatriotes, allez-y, tapez sur Google 9 millions d'euros ou allez-y sur vos calculatrices, vous allez voir 9 millions d'euros, ce que ça va nous faire en francs CFA. En francs CFA. Donc, sur la trace de 9 millions d'euros en provenance directe de la direction du Trésor de la République du Congo qui ont transité sur les comptes de Franc Export entre 2005 et 2011. Mais ce n'est pas tout. En épluchant les livres de comptes de Franc Export, les policiers ont aussi trouvé des factures à hauteur de plus de 2 millions d'euros qui étaient réglées par des entrepreneurs bien connus au Congo, Serge Mouy et Fidèle Onduo, pour le bénéfice du clan Sassou Nguesso. En fait, la société Franc Export remplissait en quelque sorte le rôle de guichet. Oh là là! Alléluia! Chers compatriotes, ce que je venais de dire tout à l'heure là, que la société Franc Export servait de guichet. Donc, en sorte le rôle de guichet ouvert pour le président congolais, donc pour Sassou Nguesso, il n'est pas président, et les siens. Entre 2005 et 2009, ce sont plus d'un million d'euros qui ont été distribués en liquide à la famille et aux amis de Denis Sassou Nguesso. Si tous ces mouvements de fonds intriguent au plus haut point les enquêteurs, le gérant de Franc Export a quand à lui une explication bien simple. De par ma situation privilégiée avec le président Sassou, je suis amené à effectuer des achats dont je ne peux garantir ou attribuer le devenir. Ainsi, déclare Franco Contafio. Alors qu'il a été interrogé en février 2013, dont acte lui est géré et eux se servent, 100 euros de commission. Le procédé est bien rodé, comme le relate le Parisien. Il s'agit d'un service que j'ai facturé sur instruction de la résidence pour transférer de l'argent à certains membres de la famille de Sassou. Ayant des fonds appartenant à la présidence, des factures me sont envoyées que l'on me demande de régler. Je prends une commission de 100 euros par opération, précise encore complaisamment le gérant. Donc, monsieur Franco Contafio. Les premières plaintes qui interviennent dès 2007 dans ce qui devient l'affaire des biens mal acquis ne feront pas cesser pour autant ces opérations frauduleuses. Franco Contafio, le gérant, il reconnaît ne s'être jamais
poser des questions sur l'origine des fonds qui transitaient par sa société. Je recevais des fonds provenant de telles structures, c'est tout. Je n'ai pas les moyens de vérifier quoi que ce soit. S'est-il contenté de dire aux enquêteurs. Les magistrats n'ont manifestement pas été convaincus et ils l'ont mis en examen pour complicité de blanchiment, de détournement de fonds publics, donc l'argent des Congolais. À ce jour, rapporte le Parisien, l'avocat de Denis Sassou Nguesso en France n'a pas souhaité réagir. Pour Jean Marker de l'association Sherpa. Voilà, pause. Voilà ce que je venais de dire tout à l'heure, là, chers compatriotes, et ce que j'avais aussi évoqué lors de la dernière vidéo. La société Sherpa s'était constituée partie civile. Mais pendant les saisies de tous ces biens-là, de tout ce que je vous avais évoqué, mais la société Sherpa qui avait engagé des procédures, tout comme d'autres associations, ce sont des associations françaises. Eux, ils avaient bénéficié. Au retour, ces biens-là, quand ils ont été vendus aux enchères, mais ces sociétés-là, ces associations-là avaient touché l'argent. Ce n'était pas gratuit. Les maîtres Bourdon, ils n'ont pas travaillé gratuitement. Ils ont touché de l'argent. Et une bonne partie de cet argent-là était partie dans les caisses de l'État français. Voilà un peu plus congolais. Ezamawa. La société Sherpa, la première à avoir porté plainte. C'est ce que je venais de dire. La société Sherpa, la première à avoir porté plainte dans cette affaire, donc dans cette affaire, les affaires des biens mal acquis. Les éléments rassemblés par les juges constituent une étape importante dans l'établissement de la vérité. C'est une des premières fois, constate-t-il, qu'on découvre le mode opératoire et l'origine du financement du patrimoine constitué en France par Denis Sassou Nguesso. Mais c'est l'argent des Congolais. C'est avec l'argent des Congolais, ce fameux patrimoine qu'ils ont ici. Ah, vraiment, ça fait mal au cœur. Hein. Le seul procédé concernait le paiement d'une Mercedes acquise par la fille du dictateur, des chèques émis par les paiements, tout et tout, de tout genre, peuple congolais, voilà, par rapport à ce document-là. J'en passe. Très rapidement, je prends encore un autre dossier et je vais terminer sur ce dossier-là. Avant que je puisse aller à détailler le dossier que je viens de prendre là, chers compatriotes, regardez ce dossier-là, dont je vous avais parlé il y a peut-être 2 ans ou 3 ans de cela. Ce dossier-là, ça concerne Pointe-Noire. À Pointe-Noire, où ils ont plusieurs entreprises. À Pointe-Noire, où ils ont pris des biens du peuple congolais, des biens publics qui sont devenus leurs biens à eux. À Pointe-Noire, où tout a été détaillé, les noms de leurs entreprises. Au total, il y a 58. Pour ceux qui avaient suivi la vidéo, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans de cela, que j'avais fait une vidéo où j'avais donné les noms de toutes ces entreprises-là. Est-ce que le temps nous le permet de parcourir très rapidement parce qu'il y en a tellement? À Pointe-Noire, plus de 50 sociétés appartiennent à la famille Sassou Nguesso. Il faudra également compter avec les biens qui sont détenus par des partenaires étrangers, comme dans la banque LCB, par exemple. Société de location du personnel en mer,
Son siège est à Pointe-Noire, dans l'immeuble de la CNSS. Elle appartient à Julie Gaëlle Okemba, fille de Jean-Dominique Okemba. Conseiller spécial et neveu de Denis Sassou Nguesso. Excusez-moi, chère compatriote. Les bureaux de Congo Assistance au quartier Rex à Pointe-Noire. Cette somptueuse villa est la propriété de Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse de Denis Sassou Nguesso. Domaine de 4 800 m², situé au quartier Tchali à Pointe-Noire, vers la raffinerie. Ce domaine appartient à Jean-Dominique Okema, conseiller de Sassou Nguesso. Société pétrolière située dans l'immeuble Miambanzila, à Pointe-Noire. Elle appartient à Madame Edith Lucie Bongo, fille de Sassou Nguesso. Au stade Franco-Anselmi, à Pointe-Noire. Société spécialisée dans la formation sportive. Elle appartient à Wamba Sassou, fils de Denis Sassou Nguesso. Socofin, société congolaise de financement, agréée pour les investissements professionnels, située à côté du consulat du Bénin, en face de Grasse Savoyard, à Pointe-Noire. Cette société est dirigée par un Français, M. Éric Leclerc. Son capital est détenu à 50% par Jean-Dominique Okema, conseiller neveu de Sassou Nguesso. Projet de construction à Pointe-Noire d'un immeuble de 12 étages sur un terrain de 500 m² situé à côté du centre médico-social de Total. Terrain exproprié à la mairie de Pointe-Noire, puisque ancien bureau de la direction départementale de l'enseignement technique du Kwilu. Ce domaine appartient désormais à Madame Okemba, d'origine zaïroise, épouse de Jean-Dominique Okemba. Ce domaine est un cadeau d'anniversaire offert par Jean-Dominique Okemba. La consulat d'Angola, c'est la propriété de Pascaline Okemba, fille de Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial de neveu. Donc, l'immeuble où il y a le consulat d'Angola, ça appartient à Pascaline Okemba. Socopec, société congolaise de pêche à Pointe-Noire. Elle appartient à Kiki Christelle Sassou Nguesso, fils de Denis Sassou Nguesso et de Vicky Lendongo. Forêt, service multimédia dans l'industrie pétrolière, située dans la zone industrielle de Pointe-Noire, appartient à Julie Gaëlle Okemba, fille de Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial neveu de Sassou Nguesso. Intel Congo, SA, située dans l'ancêtre du port de Pointe-Noire. Cette société parapétrolière appartient à Ninel Sassou Nguesso, fille de Denis Sassou Nguesso. SCPE, société congolaise de production d'électricité, filiale de la SNPC, a pour actionnaire principal Denis Sassou Nguesso et sa fille. Le PDG est M. Bruno Itois, neveu de Denis Sassou Nguesso. A noter que 50% de la consommation d'électricité de la ville de Pointe-Noire est fournie par SCPE. À Freeland, banque. Le gros actionnaire sont le président Denis Sassou Nguesso et sa fille Edith. Domaine, peuple congolais, chers compatriotes. Je continuerai le reste sur la prochaine vidéo, puisqu'il y en a au total 58, je crois, ce que j'ai lu tout à l'heure. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui me soutenez spirituellement, moralement aussi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, chers compatriotes.
Nous allons gagner et nous gagnerons, chers compatriotes. Il est presque minuit 33 dans ma montre. C'est pas facile, mais on est là et ce sont des sacrifices que nous faisons pour notre pays. À vous qui êtes connectés, chers compatriotes, comme je vous l'avais expliqué au début de la vidéo, que nous allons tenter le tout et pour tout pour déposer plainte contre ces voleurs. Et nous allons déposer plainte. Et je vous tiendrai informé des démarches que nous allons entreprendre. Vous serez informé. J'ai tellement de dossiers. Je vais essayer un peu de me reposer. Peut-être aujourd'hui ou demain, après-demain, je reviendrai devant vous pour vous faire d'autres révélations. Mais le combat, il est d'abord spirituel. Il est vraiment spirituel. C'est pas facile, mais nous allons y arriver. Et on y arrivera. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Mabato le Kwiru, Mambotabin, que Nzam Vanabeno, je vous salue au Mokmole, les petits de Pointe-Noire, Fonchetier, Mpakam, Vumvu, Kamkat, Chimani, Mabato Pointe-Noire, Mambotabin, je vous salue au Mokmole. Mabato Dolizi, Nkraï, Ludima, Lutete, Makabana, Bouansa, Mambotabin, Zanaga. Dans le pool, Kinkala, Manzakala, Taba, Vula, Sérieux, Gomatsese, Linzolo, Madia, Ibossi, Kindama, Kindama Ngwedi, Pangala, Vinza, Mayama, Boko, Lwingi, Lumo, Mabayakubola, Mbamu, Mbotezen. Brazzaville fait partie intégrante de la zone poule. Je vous salue. Omokmole. Makwa Dongu Epena Bunji. Zanaga Diambala. Weso. Lekana. Owando Swanke. Oyo et Dou, je salue toute l'étendue de la République. Je vous salue en Mokmoli. Je vous souhaite, je vous salue. Les Congolais qui sont en Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Tunisie, France, Angleterre, Italie, Belgique, Guadeloupe, Martinique, Guyane, les Congolais qui sont en Russie, Irlande, Sénégal, Mali, les Congolais qui sont du côté de la RDC, Gabon. Je salue les Congolais partout dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, le DEC plus ultra, Cincinnati, les Congolais du Canada. Je vous salue. À vous qui êtes connectés, chers compatriotes, un grand merci à vous. Un grand merci à vous. À vous qui êtes connectés. Maître Malex, le conseil juridique Maître Malex, Maman Puchéli Sita, Rodrigue Bawamio, Danny Massengo, Jack Landry, Maman Monique Zinga, Maman Monique Zinga, le NEC plus ultra, Christian Lulendo,
Armand El Shaddai. Ma petite soeur Marlène Lubaki. Fred Dioulou. Tunta. Fred Dioulou encore. Et Vince Trésor. Patrick. Antoine Mabouba, salut grand frère. En tout cas, Faustin, salut Faustin. Salut Faustin. En tout cas, maman Julie de Nancy, salut. À vous qui êtes connectés, en tout cas, merci. Merci à vous qui me soutenez spirituellement. Le combat, il est spirituel, chers compatriotes. Au moment où quand je suis en direct avec vous, vous savez, tout le monde ne me regarde pas de la même manière. Tout le monde ne me regarde pas de la même manière. Donc, vous avez compris ce que je veux dire par là. Il y a des gens qui sont contents de me voir. Ça leur fait plaisir en parlant du pays. Mais il y a des gens, non. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Chers compatriotes, j'ai des messages. Je ne pourrais pas les garder pour moi. Mais un jour, il faut que je puisse témoigner. Un jour, il faut que je puisse témoigner, vous dire certaines choses. Ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas. Des attaques que je vis de tout genre. Ça pourrait peut-être faire rigoler certaines personnes. Mais vous ne savez pas. Mais un jour, il faut que je puisse témoigner. Témoigner, c'est parce que c'est important. C'est pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la force des esprits, de tout ce que... Voilà, il faut témoigner parce que je ne pourrais pas garder ça pour moi. Tout le monde ne me regarde pas de la même manière, donc vous avez compris ce que je dis par là, chers compatriotes. Juscelin, salut. Bonsoir, Juscelin. Donc, voilà. C'est pas facile pour... Je dis, c'est pas facile pour moi. Ne croyez pas que c'est facile pour moi de faire des vidéos. C'est pas facile. Il y a des jours, c'est pas facile. Vraiment, je peux vous le dire. Il y a des jours, c'est pas facile. Et je sais de quoi je parle. Mais on va y arriver. On va y arriver. C'est pour ça que j'aime pas tellement annoncer que tel jour, je vais faire une vidéo. J'aime pas tellement annoncer. J'aime pas pour plusieurs raisons. Pour des raisons dont parfois vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Parce que c'est pas aussi des gens tendres. C'est pas des gens tendres. Voilà, bon. Mais on va y arriver. En tout cas, un grand merci. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Merci à vous qui me soutenez spirituellement, moralement, de tous vos soutiens. Merci. Ingeta, Saint Cardinal Miguel, là sont subito. Saint Cardinal Miguel, là sont subito. Saint Cardinal Miguel, là sont subito. À ceux-là que je n'ai pas pu dédicacer, excusez-moi. Vraiment, je vous présente mes excuses. Mais on est là, on est ensemble. À ceux-là que je n'ai pas pu dédicacer, vous m'excusez vraiment. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Un grand merci à vous. Rodrigue Bawamio. Maman Puchelicita, Maman Emmanuel Manené, Maman Monique Zinga, le Nec Plus Ultra, Christian Farel, Jack Landry, Christian Lulendo. Voilà, en tout cas, Clara Makaya, Christian Farel, salut, Juscelin, voilà. En tout cas, merci. On est là, chers compatriotes, on est là. On sera là. Merci, chers compatriotes, merci, au revoir. À très bientôt. Merci.